Le chenal de Coursan a une histoire longue, plus de 40 ans d'études et de travaux. Grâce au SMDA et au SMAR, cet ouvrage va être optimisé et verra des travaux se réaliser dans les prochains mois et les prochaines années pour sécuriser le village de Coursan, ses riverains et ses enjeux. C'est un projet qui a plus de 40 ans. Il y a des parties qui ont été abandonnées, des parties qui ont été reprises et d'autres solutions sont apportées pour pouvoir éviter l'inondation de Coursan. L'Aude est à la fois un atout pour notre commune, mais aussi représente un risque majeur puisque lors des inondations importantes, on se retrouve avec l'eau quasiment au niveau du parapet, donc on a une véritable culture du risque. La traversée de Coursan est un gros enjeu pour le syndicat mixte du Delta de l'Aude et le programme porte aujourd'hui sur l'ouverture complémentaire du chenal de Coursan. Elle est stratégique pour l'amélioration de la protection du village. Donc l'idée de créer ce chenal de Coursan fait suite à une crue importante en 1976 qui avait créé de grosses inondations dans la basse vallée de l'Aude. Et donc il a été décidé d'imaginer un système qui permettrait de limiter les inondations de la plaine au moyen de la création d'un chenal qui dériverait les eaux de l'Aude dans l'étang de Vendre plus à l'aval. Le chenal de Coursan, dans sa première version, est abandonné au profit d'un chenal plus court. On n'est plus sur un ouvrage de 10 km, mais un ouvrage de 2 km qui contourne la ville de Coursan. Cette configuration hydraulique est particulière puisque le chenal aurait dû continuer droit dans les terres agricoles pour aller jusqu'à l'étang de Vendre. Il a été fait le choix, pour des raisons économiques et réglementaires, de venir le refermer à l'aval du village pour justement faire en sorte qu'il soit pertinent d'un point de vue hydraulique et qu'il n'ait pas d'impact sur les enjeux. Lors d'une crue du fleuve Aude, dès 300 m3 par seconde, le chenal ici va venir se remplir avec un débit d'environ 80 m3 par seconde et abaisser le niveau du fleuve dans la traversée urbaine du village de Coursan. Un bouchon a été créé pour limiter le débit qui passe dans le chenal et faire en sorte qu'on n'ait pas d'impact hydraulique à l'aval du village. Un système anti-embâcle a été mis en place pour que les arbres continuent leur cheminement dans le fleuve et ne rentrent pas dans le chenal. Sur Coursan, l'eau rentre, mais aujourd'hui, pour l'instant, les digues nous protègent et notamment lors des périodes de crue, on a un contrôle vraiment important parce que c'est ce qui protège l'ensemble du village. Le SMDA a porté des études sur l'optimisation de la traversée de Coursan et l'amélioration de la traversée de Coursan vis-à-vis des inondations. Une solution d'aménagement a été retenue. Cette solution, en fait, elle permet un abaissement de la ligne d'eau dans la traversée du village de 25 cm. Le cadre, c'est le respect du fonctionnement hydraulique actuel. On ne doit pas modifier le fonctionnement actuel et les équilibres entre la rive droite, la rive gauche et l'amont et l'aval de Coursan. Et cet aménagement, il repose sur quatre actions. La première, c'est l'ouverture complémentaire du chenal de Coursan. On va accentuer l'ouverture de 15 mètres supplémentaires. On attire plus d'eau dans le chenal de Coursan, donc on abaisse la ligne d'eau. Et ensuite, il faut corriger cet abaissement de la ligne d'eau au niveau de deux déversoirs, donc le Grand Vigne où on est aujourd'hui, le déversoir de Prat-du-Rails en amont de Coursan, et dans la partie aval du chenal, comme on envoie plus d'eau dans le chenal, à sa sortie au retour du fleuve, il faut qu'on renforce une partie de la berge parce qu'on crée des survitesses par rapport à la situation actuelle. Ce projet va être financé dans le cadre du PAPI 3. On a bien sûr eu un conseil syndical où ça a été voté à l'unanimité. On pourrait attaquer les travaux fin 2023, début 2024. Ça sera la première grosse opération du PAPI 3 pour le SMDA.